Bonjour à tous. Alors dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'était faire un bilan de l'ancien épisode du coup de pouce que j'ai fait sur Reeless. C'était n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il est passé de 20 000 abonnés à plus de 500 000 abonnés, je ne sais plus combien, enfin bref. En un mois, il a fait 40 millions de vues, c'est insane, enfin ça ne veut rien dire. Il a même squatté le top 20 iTunes où il y avait 8 sons à lui, n'importe quoi. Il y a même des mecs qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Fais une vidéo sur Reeless, c'est un mec, il est pion, il a 20 ans, il fait tout seul !» Bref, tout ça pour dire, je n'ai pas la notion de la dimension du truc. Mais c'était assez fort. Mais juste, je voulais rebondir là-dessus justement pour dire que quand je disais qu'on était un média, qu'on était justement pas de média, mais qu'on avait une assez grosse force de frappe, là en donnant ces chiffres, tout ça, ça nous donnait un petit peu plus de crédibilité et pour la démarche et pour internet, ce qui est cool, tu vois. Enfin bref, voilà, je trouvais ça cool juste de faire un petit bilan. C'est pas du tout le thème de la vidéo, donc on va arrêter de parler de ça et on va passer à la suite. Générique. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, BerryWham, c'est 4 mecs. Bitness, Ritmind, Wawad et MB14. Et ces mecs-là, je peux vous dire qu'ils en ont bavé. Ah non, non, c'est pas qu'ils ont eu un passé douloureux ou quelque chose de marquant. Dans le... Non, c'est juste qu'ils font du beatbox. Du coup, quand tu fais du beatbox, bah tu baves. Enfin, c'est juste, c'est physique, quoi. Genre, tu craches, tu... C'est pas fou comme van, je sais, je devais... On regarde ce qu'ils font. Ah, le gros sale! Ah, il est super sale! Il revient du festival, le sale! Et où t'étais, chez Lim? Au Download Festival! Et t'as vu qui? J'ai vu System of a Down, Linkin Park et Green Day! Yeah! Alors je trouve que le beatbox c'est un truc pas assez populaire. Aux yeux des gens, c'est en mode waouh putain c'est trop cool, c'est stylé comme truc. Mais c'est pas assez mis en avant pour, par rapport à ce que c'est, tu vois, ça a autant sa place qu'un autre talent au final. Alors dans le groupe ils ont tous la vingtaine, hein, ils ont entre 23 et 26 ans, le tout aléatoirement placé. Et ce qui est marrant c'est que d'abord ils étaient tous concurrents dans des battles, et en fait à force de s'affronter tout ça machin, ils ont fini par devenir potes. D'ailleurs ils ont un palmarès assez ouf, genre Wawad il est 4 fois champion de France, MB14 je sais qu'il a été finaliste de The Voice, ce qui est relativement cool. Là ils sont champions de France en équipe, genre tout dernièrement, donc c'est trop cool. Ils ont tout pour être champ max. Les gars vous êtes champ max, mais que pense Kylian de votre chanson? Non, Seb, ne fais pas ça, ça va devenir lourd, non. La chanson est des boîtes, les gars, l'avenir c'est vous. Guess who's back, 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 guess who's back. Now everyone report to the dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Now everyone report to the dance floor. Et enfin bref, ils ont décidé de se lier ensemble pour créer, bah voilà, un groupe en fait, parce qu'ils ont chacun leur particularité. Tu prends un mec, tu vois, qui est hyper fort en chant, tu prends un mec qui est hyper fort, lui, à la rythmique, tu prends un mec qui fait hyper bien les basses, tu prends un gars qui sait imiter trop bien les instruments, en fait, ils sont liés et ça fait un truc, une cohésion hyper stylée. Genre déjà que c'est un art pas commun, de se foutre à plusieurs, c'est pas beaucoup vu. Et je sais pas, il y a un truc qui est putain de bien, quoi, c'est cool. I got the right voice, yes, I made the right choices. Crazy with my boys, we spend our lives making noises. Spit from the throat to your ear. Alors pour l'instant, ils ont énormément de medley ou de covers sur leur chaîne YouTube. Je sais qu'ils ont sorti aussi un EP récemment. Hey brothers. Et pour moi, ça mérite d'être beaucoup plus vu au final, même par curiosité, tu vois. C'est juste parce que le truc n'est pas commun et que putain, j'arrive pas à voir la limite de ce truc. Déjà, avec une bouche, on peut faire tous les bruits qu'on veut si on s'entraîne. Alors avec 4 bouches, il y a potentiellement un taux de créativité qui est infini, quoi, genre. Mais bref, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, j'y crois fort en ce truc-là. Ne payez pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui pensais. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème,
enfin dans l'évolution du format le coup de pouce, je m'étais dit putain ce serait cool si j'invitais en fait les artistes à faire soit une impro, soit un freestyle en fait spécialement pour l'occasion, parce que les extraits c'est cool tu vois, mais ça rajoute un petit truc en plus, et c'est le contact humain tout ça, je trouve ça trop cool. Je ne suis pas très fort en transition, mais en tout cas c'est ce qui va se passer, on regarde. Salut, c'est Berry One. Pour le coup de pouce. For the gunshot, Rastafari number 2, you remember. We're gonna make it right, cause we're the real beat makers. To make some noise, dumb, no need to come from Jamaica. Best beat boxes in the house are the very one. Nothing can stop me. Nothing can stop me. I'm all the way up. Enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à les suivre, parce que c'est des gars qui, que ce soit humainement ou même dans la musique, qui ont énormément de talent. Enfin, t'as pas de talent d'humain, je m'exprime très mal. Mais genre, non, qui sont géniaux, voilà, dans les deux sens. Alors les gars, là, moi je vous laisse une carte blanche, je vous laisse 10 secondes pour vous vendre, pour dire ce que vous voulez. Moi je me casse, ça commence maintenant. Ok, salut, on est les Berry Wam, on est 4 beatboxers, on est champion de France de beatbox 2016. Venez nous voir le 29 juin à Paris, à Châtelet, à la place. On vend un EP à moins de 4 euros. 3 euros. Et suivez-nous sur...